bien au grand air. On peut entendre le vent souffler dans les arbres et également le chant envoûtant des cigales. Ce qu'on entend, c'est pas le sang des cigales, Lola. C'est Porky. T'es sûr que t'as pas peur d'aller dans la forêt, Porky? Bon, bah oui, c'est vrai, je l'avoue, j'ai peur d'y aller. J'ai entendu dire qu'il y vivait un monstre appelé Grand Pied. L'énorme fourrure rouge au rugissement terrifiant et aussi Grand Pied qu'il peut écraser une voiture. Ah bah oui, c'est bien celui-là, oui. Jamais entendu parler. Ne t'en fais pas, Porky, ce genre de monstre n'existe pas. Ah, Grand Pied. Oh, c'est vous, moi je dis, que me vaut toute cette agitation? Oui, il vous a pris pour Grand Pied, monsieur le maire. Allons, ne prête pas attention à la légende de Grand Pied. Moi je dis, je vis ici depuis de nombreuses années. J'ai bien dit des années, et je ne l'ai pas encore croisé. Tu vois, Porky, le maire nous confirme qu'il n'y a absolument rien à craindre ici. Exact, alors concentre-toi uniquement sur la construction de la roue hydraulique. Bon, excusez-moi, j'ai encore des choses à faire. J'ai un petit rendez-vous un peu plus en amont. Voilà. Construisons cette roue hydraulique. Courage, Grand Pied n'existe pas. C'est bon, Daffy, tu peux décharger les matériaux. Bien reçu. Oh non, j'ai fait tomber un tronc d'arbre. Aucun souci, je le récupère. Oh mince. Gne. Ah, c'était un rugissement, ça, non? J'ai entendu le rugissement du monstre, c'était vraiment effrayant, ça faisait peur. Détends-toi, Porky, c'est certainement ton imagination qui te joue des tours. Oh, mais ça semblait si réel. Grand Pied, je sais pas, mais méga Pied. Il est là, on est trop bien là-dessus. Daffy, qu'est-ce que je t'ai dit à propos des canapés sur le lieu de travail? D'en prendre un convertible pour pouvoir faire une sieste dessus.